sommes heureux de vous recevoir dans les locaux de la Direction générale à l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien des distinctions à certains policiers qui se sont révélés plus qu'engagés dans la lutte pour la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policiers, policières. Toutefois, il exprime une reconnaissance pour le gouvernement et le haut commandement en particulier des efforts déployés continuellement par les confrères et consoeurs pour exécuter les missions qui leur ont été confiées. De plus, la cérémonie de ce matin, loin d'exprimer un satisfecit, s'inscrit dans un appel renouvelé à tout le corps policier afin de redoubler d'efforts pour que la sécurité intérieure de l'État, la protection des vies et des biens de la population et toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. Je profite également de l'occasion pour remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur engagement aux côtés de la Police nationale d'Haïti, pour les matériels et équipements commandés qui viendront renforcer sous peu la capacité opérationnelle d'intervention des forces de police appelées à faire face à des menaces sécuritaires inédites et multidimensionnelles. Aujourd'hui, par mon organe, la Police nationale d'Haïti vous promet de faire un bon usage de ses équipements. Un usage rationnel, efficient et efficace. Nous promettons à la population haïtienne de tout faire dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux de la personne humaine pour que la sécurité soit rétablie à un niveau acceptable. Je ne saurais terminer cette intervention sans annoncer la signature et la publication du décret portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales. Pour que nous dérivions à signature du décret, ça, il y a un ensemble de travail qui était fait. Et travail, ça a eu. Il y a commencé la base de la police là. Pour arriver dans le commandement. Donc, c'était un travail d'équipe pour que nous fassions une proposition à membres du gouvernement et qui prend le projet à cœur et qui encourage nous. Et puis, après étude que vous faites, évaluation que vous faites, décret ça arrivé, signé et publié. C'est un pas dans l'histoire de la police là. Jodi a nous gagné un cadre légal. Côté que le gouvernement engagé, l'État a même engagé pour que les policiers blessés en cas de service li. Ou du moins, pire, si un policier mourit, mais madame li a petite li, au moins, une prise en charge qui prend. Pour que avion petite policier, madame policier, il n'est pas hypothéqué. Donc, nous tenons pour que nous remercions le gouvernement pour AXA. Et c'est un gros pas. Maintenant, l'irrité au niveau du commandement pour que nous travaillions, pour que nous mettions de balises, mettions de structures pour que les policiers soient capables de réellement bénéficier décret ça. Sans travail administratif ça,
policiers qui sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre nos travail au niveau du commandement pour nous préparer documents administratifs, sensibiliser les policiers dans toute direction départementale, dans tout commissariat pour nous expliquer, discuter avec eux sur le décret ça. De façon à ce que pour bénéficier si par malheur on bagaille est arrivé. Par ce temps, la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes va prendre un nouvel élan. La lutte que nous avons menée contre bandit, toute qualité bandit, j'en ai souvent dit, bandit à sapate, tant que bandit à cravate. Nous continuons à prendre responsabilité nous la question sécurité pays. Nous avons toujours travaillé pour une police professionnelle, apolitique, qui papa ne prend aucun parti. Nous avons là pour que nous respections la loi, pour appliquer la loi. Et là, nous avons mené enquête, côté enquête, nous avons mené nos bras, sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de nom. C'est un devoir à la nation et c'est un engagement constitutionnel que nous prenons responsabilité. Policiers mieux. On connaît que chaque jour, nous avons goûté dans la rue. Surtout dans la zone métropolitaine. Nous avons goûté dans le centre-ville. Nous avons goûté Torsel, nous avons goûté la Tremblay, nous avons goûté Canaran. Chaque jour, son lutte. Jodia, la Tibonite. Recommencez. Mais nous ne pouvons pas faillir. Il est difficile, mais victoire, c'est pour nous, avec détermination, nous, avec engagement. Nous. Et je crois, avec équipement que, qui pourra arriver, que nous souhaitons écrire rapidement pour que la police là vienne pidjam pour répondre à la responsabilité. C'est avec un pile plaisir, jodi, je trouve ici, avec représentant police nationale d'Haïti, pour marquer une année depuis que je prends fonction comme chef du gouvernement de la République. Nous tous nous connaissons dans ce qui est circonstance pénible, dramatique, que nous arrivons avant date ça, avec mort tragique président de la République. Là. Événement ça secoué en pile institution policière. L'homme vini comme chef conseil supérieur de la police nationale, CSPN, moins joint en police démoralisée, démobilisée, qui a demandé tête li, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est capable de jouer réellement rôle li, qui sait protéger et servir la population? La population lui-même a commencé à perdre confiance dans la police. Li. Elle a commencé à demander tête li, qui ça pour le faire pour le minimum de protection? Les exactions des gangs armés, les nombreux crimes et massacres restés impunis jusqu'à ce jour, la multiplication des kidnappings, le blocage prolongé de la route de Martissant, qui a coupé 4 départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers.
La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant-en-chef de la PNH qui a su en peu de temps et avec des moyens limités redonner du cœur à l'ouvrage, à nos policières et à nos policiers. Un an après, la différence est palpable. On sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je crois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir en respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. Ils savent qu'ils ont le soutien de leur commandement et des responsables politiques. Ils savent qu'on ne leur demandera pas de pactiser ou de transiger avec des bandits, ce qui les met en confiance pour mieux les combattre. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser dans la route, ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sous eux. À la fin, moi, je suis n'a pas capoté bonne nouvelle. En dépit de ces retards, tout le monde est obligé de constater que la PNH, malgré la précarité de ses moyens, est parvenue ces derniers temps à remporter quelques victoires et à contenir certaines percées tentées par les bandits. Dans la lutte contre l'insécurité, la tendance populaire est de dire que nous ne faisons rien ou que nous n'avons rien fait tant que nous n'aurons pas éradiqué le phénomène, tant que nous n'aurons pas éliminé ou mis hors d'état tous les kidnappeurs, tous les criminels, y compris les gros bonnets qui les alimentent en armes et en munitions. Mais les observateurs avisés et de bonne foi auront remarqué que la PNH, sans le courage et la détermination de nos policières et de nos policiers qui risquent chaque jour leur vie, les gangs auraient déjà pris complètement le contrôle de la capitale et du reste du pays.